Et rebonsoir à tous, c'est encore le chemin mélanique. Voilà, je voudrais juste rapporter une petite précision par rapport à la vidéo que j'ai sortie ce soir sur comment bypass le local mode pour pouvoir aller en multi avec. Donc voilà, sur ma vidéo tutoriel que je vous mettrai en description évidemment, vous allez pouvoir constater que je n'ai pas pu vous montrer que ça fonctionnait vraiment bien. Donc j'avais pas de camion avec du local mode dedans. Donc ici j'ai vite fait retrouver un profil où que j'avais fait pour un ami, où j'ai effectivement du local mode. Donc je vais vous montrer que ça fonctionne évidemment bien. Donc c'est une petite vidéo qui va durer 2-3 minutes, pas plus. Voilà. Donc j'ai juste lancé le multijoueur. Voilà, on va lancer le multi. Quelques petites secondes de patience. Voilà, le multi est en train de se lancer. Voilà, je vais me connecter. Voilà. On va aller en simulation 1. Ici en bas, vous pouvez bien constater qu'on est bien en 1.44, hein, qu'on n'est plus en 1.43 mais bien en 1.44. Donc je vais faire OK, continuer. Voulu mot de passe, voilà, c'est pas mon profil, mais bon, voilà. Et on va se connecter. Hop, ouais, bon, voilà, on n'est pas détecté. C'est normal, on va faire conduire. Voilà, donc nous sommes bien en multi, vous voyez bien qu'il y a des joueurs à côté de moi et tout, donc voilà. On va regarder la vue intérieure, et ici vous voyez bien que j'ai le local mode, bon, c'est un peu le bordel parce que voilà, c'était des tests et tout qu'on avait fait. Mais bon, vous pouvez bien constater que il y a effectivement du local mode, l'intérieur et tout, voilà le volant, etc. Le logo sur le volant, etc. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous montrer que cela fonctionnait vraiment bien. Donc encore une fois, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous invite à aller voir mon tutoriel sur la vidéo juste avant. Et si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, etc., j'y répondrai évidemment. N'oubliez pas sur la vidéo précédente où je montre le tutoriel, bien regarder la description pour aller vous abonner à la chaîne de la personne qui a fait le tutoriel original. Parce que bon, voilà, je l'avais juste relié. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.